peu sur le futur. Tout va vraiment pour le mieux. J'ai plein d'amis. Je sors avec le blogueur le plus populaire de tous les réseaux sociaux. La vie me sourit et personne n'est capable d'exécuter la posture de l'arbre mieux que moi. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait la zarbie. Je suis un arbre très serein. Rien, pas même les insultes, ne me fera perdre la paix intérieure, Bianca. Bravo, tu réussis à gérer le stress de l'examen. Oh. Rien ne fera trembler mes racines. Rien. À part ce fichu examen, j'y arriverai jamais. Il y a de quoi flipper. Les sujets surprises, ça nous angoisse tous. Comment peut-on être aussi cruel? Je sens des relents de désespoir mêlés à des effluves de détresse. Merveilleux. Une minute. Moi, je sens un délicieux parfum d'échec. Yuki, depuis quand tu peux prédire le futur? Je t'interdis d'utiliser ce mot-là. Lequel, le futur? Ça me fait peur à chaque fois que je vois un monde noir, visqueux et effrayant. Le futur. Oh, mais c'est quoi son problème, franchement? J'en sais rien et je ne veux pas le savoir. La seule personne à qui je veux penser aujourd'hui, c'est lui. Oh, Joey? Alors toi aussi, tu es folle du chanteur de 10 jours en hiver sur Vénus. C'est le garçon le plus beau que je connaisse. Mais comme chanteur, il est nul. Fiche-nous la paix, Felipe, d'accord? Tu fais pas le poids comparé à ce garçon-là. Tiens, c'est marrant ça. Je viens juste d'entendre sur Radio King qu'ils sont dans un concours. Quand il va démarrer, la première personne qui appellera sera sélectionnée et sera contactée par la station de radio pour répondre à un questionnaire sur le groupe. Et si elle réussit à prouver qu'elle est une énorme fan, elle gagnera le droit de passer une après-midi entière avec Joey et d'enregistrer un morceau avec tout le groupe. Oh, c'est le rêve! Je sais. Oui, c'est le mien. Alors oublie, c'est moi qui vais gagner. Joey va tomber amoureux de moi et je ne serai plus forcée de fréquenter des ringards tels que vous. Moi qui va tomber amoureux de toi, me fais pas rire. C'est ce qu'on verra. Comme nous l'avons déjà annoncé, cet examen réunit des éléments de mode et de musique. C'est pour cette raison que nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous notre adorable coach du studio de musique. Il a dit adorable? Je suis un arbre très serein. 1, 2, 3... Le sujet de l'examen est le suivant. La mode du futur. À la fin de la journée, vous devrez présenter vos diverses créations au cours d'un défilé que vous accompagnerez d'une composition musicale. Qui devra, bien entendu, elle aussi s'inspirer du futur. Allez, au travail! Je veux des tenues futuristes et fantastiques. Bon courage! On y va? Oui. Ah, ça n'augure rien de bon pour le futur. Mais enfin, vous le faites exprès ou quoi? Hashtag, c'est mal parti. Ne soyons pas négatifs. Le futur est synonyme de technologie, de robots. En somme, que des trucs fascinants. Je vais faire une paire de lunettes qui photographient ce que je regarde. Je les achète tout de suite. Nous aussi, on a une petite idée. Des chaussures volantes pour échapper à tous les problèmes qui font peur dans le futur. Oh, rassurez-vous, on peut dire tout ce qu'on veut maintenant, c'est bon, il n'entend rien du tout. Je me suis bouché les oreilles. C'est encore une idée géniale de Franz. Bref, moi aussi, je sais déjà parfaitement ce que je vais faire, parce que le futur sera l'ère des extraterrestres vampires. On peut savoir pourquoi? Les extraterrestres extermineront l'humanité. Tout finira dans un bain de sang effroyable. Ça m'étonne pas qu'elle voit l'avenir en rose. Ouais. Tout le monde au travail. Qu'est-ce que tu regardes? Le vide. Et pourquoi? C'est le futur. Toi, tu vas mal. Je t'ai rarement vue si négative. J'arrive même plus à faire l'arbre pour me calmer, parce que l'examen m'effraie totalement. L'idée de perdre le stage m'angoisse et le futur me terrorise. Allez, allez, du calme. Je vais t'aider. J'aime beaucoup le futur, moi. On va travailler ensemble? Pourquoi pas? Oh, merci, Jacques. Je me sens déjà beaucoup mieux grâce à toi. Oh. L'examen porte sur le futur. Peut-être que je peux vous donner un coup de main. Je viens de publier un post sur la science et le futur. Il pourrait s'avérer utile. Pourquoi pas? C'est une super idée. Parfait. Tous les trois ensemble, l'avenir est imprévisible. Il
n'y a pas un seul fan plus fan que moi. Il n'y a aucun fan plus fan que moi. Il doit pourtant bien exister un autre moyen. Mais il doit pourtant bien y avoir un autre moyen. Oh, mais vous savez qui est mon père? Mais vous ne savez pas qui je suis? Qu'est-ce que tu fabriques encore? La même chose que toi, je magouille. Tu veux corrompre quelqu'un de la radio pour gagner la compétition? Pourquoi tu n'aimes pas les 10 jours? En fait, c'est juste pour te mettre en rogne et te prouver qu'entre moi et toi, le seul qui puisse gagner, c'est ton serviteur. Écoute-moi bien, si tu n'as rien de mieux à faire de ta vie que de pourrir la mienne, fais attention parce que ça va mal se passer. J'ai vraiment pas peur de toi, délicieuse reine de glace. Si tu veux gagner, faudra passer sur mon cadavre. D'accord, ce sera avec plaisir. T'es insupportable, antipathique et arrogant. Tu penses toujours tout savoir sur tout, mais c'est une grossière erreur. C'est une idée stupide, ça. Vous croyez vraiment que vos chaussures pourront voler jusqu'à cet horrible oiseau que vous avez accroché là-haut? Oh que oui, elles vont voler. Et envole-toi! 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 Oh. Mais tôt ou tard, elles voleront. Est-ce que tu as déjà eu envie de faire disparaître quelqu'un de la surface de la Terre? Oui, en permanence! C'est moi qui gagnerai, c'est moi qui vais appeler la première et je répondrai à toutes les questions qu'on me posera sur la vie des 10 jours. Je vais t'aider. Et pourquoi? Bah, parce que... parce que moi aussi j'adore les 10 jours et parce que je veux apprendre tout ce que je peux sur eux. Et vous, vous allez devoir m'aider à finir mon costume d'extraterrestre vampire. Non, c'est gentil, j'ai pas besoin de lire William Shakespeare. Ce sont ces bouchons. Et tu vas vraiment le faire? Quoi donc? Travailler avec Andrew? J'ai pas vraiment le choix. C'est le copain de Maggie. Si Maggie trouve que c'est bien, je le pense aussi. T'es sûr, là? Certain. Si elle est heureuse, je le suis aussi. Je soutiendrai même les idées d'Andrew. Ça, je ne l'aurais jamais cru. Jacques Bertrand, la plus grande âme sensible de toute l'académie. Concentre-toi sur l'examen, sinon l'âme sensible va s'énerver. Dans le futur, le monde sera divisé en districts, tous en guerre les uns contre les autres. Il faudra qu'on chasse pour manger, et la seule loi qui gouvernera l'univers sera celle du plus fort. La planète sera à feu et à sang. Moi, je trouve ton futur horrible. Et comment tu le vois, toi, Jacques? Exactement comme Andrew. Génial. On n'aura plus besoin de qui que ce soit, les autres seront juste une menace dont il faut se défendre. Ça me donne une idée pour l'examen. Un costume qui envoie un choc électrique à ceux qui s'approchent trop. Et comment on fera si on veut faire un câlin à quelqu'un? Ben, on se fera plus de câlins. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es très jolie, Android numéro 8960. Merci, Android numéro 9840. Oh! Oh! On ne pourra jamais, nos costumes nous en empêchent. Nous pouvons toujours nous tenir par la main à la manière des androïdes, mais... nous devons garder nos distances pour être proches l'un de l'autre. Alors, Maggie? Qu'est-ce que t'en dis? Je trouve ça triste comme concept. Mais pourquoi pas? Comment s'appelle le cousin au troisième degré du batteur des 10 jours? Une minute, je le sais. Je le sais. Tic-tac, tic-tac, je te signale qu'ils te laisseront pas réfléchir longtemps avant de répondre. Jack! Franck! Oh, c'est la même chose. Non, parce qu'avec une seule mauvaise réponse, il t'élimine. Très bien, vas-y, recommençons. Envole-toi! Oui. Envole-toi! Saute! J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que les hélices ne tournent pas assez rapidement, hein? Peut-être. Bon, réfléchissons. Ok. Je veux savoir comment les gens voleront dans le futur. Mais on pourra jamais progresser comme ça. Combien de pustules y a-t-il sur le derrière du chien de Joey? 3. Nom de l'iguane de son grand-père. Mina. Allergie partagée à la fois par tous les musiciens. Aucune. Non, mauvaise réponse. Oh. Ils sont tous allergiques à quelque chose. Mais personne ne sait ce que c'est.
Bon, j'abandonne. Comme tu voudras, mais tu es prête. Et juste à temps, ils vont bientôt lancer le concours. Je dois encore m'entraîner pour être sûre d'être la première à appeler. Il faut que je les pousse hyper rapide. Je compose. Je compose. Je rase. Je compose. Je compose. Je compose. Je compose. Je compose. Ah, regardez, regardez, je vole, ça y est. Ouais. Et maintenant, essaie sans l'escabeau, hein. Alors, où tu en es avec mon costume d'extraterrestre vampire? J'ai fini. À présent, il ne te reste plus qu'à te coller les trois yeux sur le front et tes dents de vampire. Bon, trouve-moi de la colle forte. Je veux que ça tienne. Il ne faut pas que je perde un œil pendant le défilé. Rassure-toi, on va s'occuper de tous les détails. Parfait. Ça tombe bien, j'ai quelque chose d'extrêmement important à faire. Oh. Prêt, Edouard. Paré à décoller. Envole-toi. Encore un petit détail. J'ai fini. Voici le blouson qui électrocute ceux qui s'approchent de trop. L'accessoire indispensable de la saison printemps-été de l'an 3020. Une saison plutôt chaude en température et frigorifique niveau sentimental. Ça me plaît pas du tout. Merci, t'es vraiment sympa, toi. C'est ça l'avenir que tu veux, Maggie? Oh. Ben, elle doit forcément aimer, en tout cas, étant donné qu'elle a liké mon post sur le futur. Moi, je n'en suis pas si sûre. Je la connais trop bien, n'est-ce pas? Eh bien, j'avoue que ça me fait un peu bizarre, cette idée de tenue anti-câlin, là. Je pense pas que je me sentirais très à l'aise en la portant. Mais je sais pas si... Pause. Faisons une petite pause, d'accord? Hein? Hein? Je reviens dans 5 minutes. Je compose. Je compose. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, ça se voit, je m'entraîne. Il faut que mes pouces soient les plus rapides du monde. Je compose. Je dois établir ma supériorité. Tu ne risques pas de te sentir supérieure si jamais tu te plantes à l'examen? L'examen ne m'angoisse pas. J'ai déjà ma tenue. C'est pas possible, tu plaisantes. J'ai un petit secret. Et toi, comment se présente ton projet? Mal. Donne-moi ça. Avec joie. Allez, vas-y, je t'écoute. Comment je fais pour dire à Andrew que je suis d'accord avec Jacques et non avec lui? En utilisant la parole, par exemple. Très juste. Oui. T'as raison, je file tout. Salut. Et laisse-moi m'entraîner en paix, s'il te plaît. Mon téléphone. Où est-ce qu'il est? Espèce de sale voleur, tu vas voir. Je veux être honnête avec vous. Il m'est déjà arrivé de ne pas l'être tout à fait et je veux pas répéter l'expérience. Ce qui veut dire? Eh bien, Andrew, même si je suis ta copine... Tu préfères nettement les idées de Jack. C'est sa vision du futur que j'aime le plus. Et le problème, c'est quoi? J'en sais rien. Je voulais pas te vexer, c'est tout. Me vexer? Mais pourquoi? Je veux dire, on forme un couple, pas une copie conforme l'un de l'autre. Allez, au boulot, il faut trouver une autre idée. Mais avant, un petit selfie pour nos followers. Aujourd'hui est une journée splendide. Tout se déroule à la perfection. Où est Yuki? Où est Yuki? À l'infirmerie. Et mon costume est terminé? Oui, elle s'est fait très mal aux pieds. Mais avez-vous pensé à la colle? Oui, je sais, la colle pour les yeux et les oreilles. Oui, il faut qu'elle soit collante. D'accord, oui, je sais, je suis au courant. Aucun problème, ça va, tout est sous contrôle. Alors à plus. Qu'est-ce qu'elle voulait, Nausicaa? De la colle permanente pour les accessoires. De la colle permanente. Permanente? C'est étrange. Elle a dit permanente. Bon, eh bien, si c'est ce qu'elle veut, elle va l'avoir. Est-ce que t'es prêt à t'envoler? Toujours. Bianca, maintenant que tu t'es inscrite au concours en te servant de mon téléphone, pourquoi ne pas me donner un coup de main? Mais tu as déjà 2 collaborateurs, non? Oui, mais on s'est réparti les tâches histoire de perdre moins de temps. Je dois m'occuper de tout ce qui touche au tissu et eux, ils construisent le circuit électrique et les capteurs. Vous fabriquez un Frankenstein? Non, le t-shirt du futur, qui est à l'écoute de ton cœur. Au moins l'une de nous deux est heureuse. Et encore une fois, c'est toi, comme d'habitude. C'est trop injuste. Felipe m'a saboté, il est passé à la première place et moi à la troisième maintenant. Est-ce que tu sais que ma mère était le coach vocal des 10 jours? Elle pourrait sans doute t'aider un peu. Peut-être qu'elle pourra me dire à quoi ils sont tous allergiques. Allons la voir. Ah, ok. Tu
tu es horrible à voir. Mais c'est exactement à ça que ressembleront les habitants de notre terre d'ici quelques années. Rangez bien les accessoires en attendant le défilé. Je les retire et je vous les confie. Mais qu'est-ce que... Mais quel genre de colle avez-vous utilisé? Celle que tu nous as demandé, la permanente. Tu m'as dit de trouver de la colle permanente. Oh! Attends un peu que je t'attrape, toi! Yuki, Yuki! Enfuis-toi! Prête à tout pour gagner, même à parler à Zarbi Senior. Et nous... Salut, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, vous avez fini votre projet? Non. Je veux dire... Oui. Disons, plus ou moins, pratiquement, oui. Coach Rachel, je tiens tout d'abord à m'excuser. Je sais qu'il est très difficile de m'aider et que j'ai toujours du mal à écouter les conseils des autres, en particulier les vôtres. Ne t'inquiète pas pour ça, Bianca. J'ai appris à te connaître. Et je crois en toi. Et en ton talent aussi. Je sais. Et je suis prête à être plus sage. Si vous acceptez de m'aider une dernière fois, s'il vous plaît. Oh, mais bien entendu, avec grand plaisir. Pourriez-vous me dire à quoi les 10 jours sont allergiques? Oh. Aux amandes, figure-toi. Aux amandes, c'est fantastique, ça m'aide beaucoup. Merci, merci, merci. Et moi, on ne remercie pas. Oh. Doucement. Bonjour. C'est moi, oui. Je suis le premier candidat, en effet. On verra. Joey est né à New York. Son grand-père adore les escargots de Bourgogne. Combien de... J'en sais rien. Je sais pas combien de pustules il y a sur le derrière de son chien. Au suivant. Oui, allô? Oui, c'est elle-même. La seconde candidate. Oh, rien de plus facile. Il a 3 pustules. Alors, tu m'as aidé à plancher uniquement pour tout savoir sur les 10 jours? Et gagner le concours. C'est pas vrai, c'est toi qui m'as volé mon téléphone. Pouvez-vous répéter? Mais alors? T'es craquante quand t'es en colère. J'espère seulement que Joey t'emmènera pas trop loin d'ici. Facile, l'iguane de compagnie du grand-père de Joey quand il était enfant s'appelait... Mina. Leur allergie? Quoi leur allergie? Non, 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 attendez, désolée, mais personne ne connaît la réponse à cette question. Allô? Oui, je suis la 3e candidate. Évidemment que je sais à quoi ils sont tous allergiques. T'en vas pas. Et la réponse? Non. Ils sont tous allergiques non. Au poulet. Bon, tant pis. J'ai perdu l'après-midi avec Joey. Et toi aussi? Si Joey m'avait vu, il serait tout de suite tombé fou amoureux de moi. Non, là, je suis pas convaincue. Comment oses-tu? Ne me regardez pas! Nous sommes tous très curieux de voir comment le futur a inspiré la si fertile imagination de nos chers étudiants. Queen! Il porte un ensemble futuriste doté d'une paire de lunettes haute technologie qui peut prendre des photos. Une tenue photographique qui vous accompagne où que vous alliez, comme vos propres yeux. Nausicaa! Elle a opté pour un costume d'extraterrestre vampire. Pour que l'ensemble de l'humanité puisse être prête lorsque nous serons envahis et exterminés. Ça, ça me plaît beaucoup. Bianca! Elle est déjà prête à dominer le futur en sa qualité de reine incontestée des androïdes. Edouard et Yuki, qui nous présentent leurs chaussures volantes, qui pour l'instant ne fonctionnent pas, mais qui finiront par décoller un jour ou l'autre. Fantastique idée, ce sont des visionnaires, bravo! Maggie et Jacques, avec le cache-cœur du cœur. Rythme cardiaque élevé, endorphine stable, émotion, bonheur. Dans un monde où presque tout sera robotisé, les émotions continueront néanmoins à diriger et embellir le rythme de notre journée. Des capteurs hypersensibles nous avertiront de tout changement émotionnel. Ah.
Je vous fais tous mes compliments. Monsieur Lucy n'est pas là, il a malheureusement eu un imprévu et il m'a délégué le soin de juger les tenues du défilé. Mon père ne délègue jamais rien à personne. Transpiration en hausse, émotion, contrariété. En tout cas, je suis sûre et certaine qu'un beau jour, nous pourrons admirer vos vêtements et vos accessoires dans toutes les vitrines du monde. À condition qu'il y ait encore des vitrines. Maintenant, nous n'avons plus qu'à passer à la partie musicale. Qui sait ce que le futur nous réserve? Alors autant profiter du présent. Hashtag super boulot. Maggie et Bianca. Suivez-nous sur notre site officiel, sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Et ne manquez aucun nouvel événement. Ni aucun hashtag.